Mon père est décédé d'un cancer de l'œsophage le 15 novembre 2015. À l'âge de 13 ans, il a commencé avec des amis à aller prendre un verre. C'est à l'entrée, il dit, t'as niaisé, il n'y a pas de verre, là. Mais il disait, vu que vous êtes une gang, venez, là, tout le monde payait sa bière. Puis là, ben, vous prenez une bière, puis vous en allez. Mais ils ont commencé comme ça, mais après ça, ils ont pogné le goût de ça. Oui, ça, ils avaient l'habitude de boire ben, comme c'est ça. C'est ça, là, ils ont dit, hey, c'est le fun, on a du fun, après, à comprendre bien. Fait que là, c'était à toutes les fins de semaine. Fait que là, ça n'arrêtait plus, il allait prendre le petit billet dans la brosserie. Après ça, il s'achetait des caisses aussi. Fait que là, ça finissait plus. Puis quand il commençait à travailler, comme je disais, mais là, c'était avec des chums plus vieux, mais les autres, hey, on a fini de travailler, on s'en va tous à la brosserie. Et ça, c'était rendu à tous les jours, là, un coup qu'il a commencé à travailler. Fait que là, à tous les jours, puis ça, c'est dommageable. Combien? Ah, oh, de la bière, là, il faut peut-être en prendre 5-6 boîtes par jour. Après avoir travaillé, mais après ça, quand il arrivait à la maison, il en prenait encore un petit peu avant le souper. Fait que là, finalement, ça faisait peut-être une dizaine de 10-12 bières par jour. Là. Puis ça, ben là, ça a été, un coup, ça a été commencé comme ça, mais là, ça a été comme ça jusqu'à temps qu'il prenne sa pension. Puis quand il a pris sa pension, ben là, il dit, ben là, c'est le temps d'en profiter, là, il faut que je relaxe. Fait que là, il buvait encore. À chaque jour, c'était une dizaine, 12 bouteilles par jour. C'est sûr que pour au niveau des repas, il préférait prendre une bière au lieu de manger. Fait que quand il est tombé à la retraite, il savait que la bière le ferait engraisser, étant donné qu'il faisait plus d'activité physique, qu'il faisait plus de marche. Donc souvent, il se privait. Il mangeait un repas par jour, il pouvait manger une soupe. C'était pas des repas équilibrés, c'était pas une journée de repas équilibrés qu'il pouvait manger. Fait que là, je voudrais vous dire que c'est pas nécessaire de rien faire dans notre vie, mais faites-les modérément. Puis on n'est pas obligé que ce soit toutes les fins de semaine. Puis comme ça pourrait vous sauver la vie.